je sais, ça fait depuis longtemps que je n'ai pas posté de vidéo. Je suis désolée, ça fait, je crois, 5 ou 6 mois que je n'ai pas posté de vidéo sur la chaîne. Mais bon, le plus important, c'est que je sois revenue aujourd'hui, ou bien. Donc, aujourd'hui, je vais vous amener avec moi parce que je tiens à vous voir ma journée d'aujourd'hui. Oui, enfin, là, je commence avec les vlogs. Je vous assure, je voulais que ça dure plus longtemps sur ma chaîne, mais j'ai passé mon temps à procrastiner. Je me disais, ok, la prochaine fois, je vais vlogger, je vais vlogger. Mais après, si je me disais, je suis une personne introvertie, je passe plus la majorité de mon temps à la maison, que je vais bien pouvoir vous montrer dans mes vidéos. Ma vie n'est pas excitante, ma vie n'est pas palpitante. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Mais bon, après, je me suis dit, bon. Je me suis posée, j'ai réfléchi, j'ai dit que ok, je peux vloguer, mais en vloguant, je peux parler de certains sujets et tout et tout. Donc voilà, et aujourd'hui, nous y sommes. Voilà, allez, faites du bruit pour moi. Donc cette année-ci, sur la chaîne, si, vous allez avoir beaucoup de vlogs. Mais, ouf, j'ai oublié. J'ai oublié de vous souhaiter la bonne année. Donc, je vous souhaite une merveilleuse année 2023. Je vous souhaite une année 2023 remplie de, déjà de 1, de santé, oui, parce qu'avec la santé, en fait, on peut tout faire. Je vous souhaite aussi d'être heureux ou heureuse et épanouie. Et quand je parle de épanouie, c'est dans tous les domaines, en fait, que ce soit dans le domaine personnel, que ce soit dans le domaine professionnel. Je vous souhaite aussi la sérénité, la paix du cœur et de l'esprit. C'est très important, les amis. C'est très, très, très important. Donc voilà, je vais essayer de m'apprêter parce que aujourd'hui, je vais faire une. Je commence aujourd'hui une cure détox de 8 jours. Parce que comme vous le voyez, votre go a pris énormément de poids. Voilà, je crois. Ces dernières années, j'ai pris. Ces 3 dernières années, je crois, j'ai pris. Je sais même plus, peut-être que 20 ou 30 kilos. J'ai pris environ 20 ou 30 kilos. Et je trouve ça énormissime. Oui, voilà, je trouve ça énormissime. Donc, je me suis dit, bah, il est temps pour moi d'essayer de voir quelque chose. Surtout que quand j'ai fait. Mon check-up, les résultats n'étaient pas du tout. C'était pas bien. On va dire ça comme ça, c'était pas bien. Actuellement, si j'ai beaucoup de problèmes de santé, j'ai beaucoup de problèmes de santé, je suis tout le temps fatiguée. Par exemple, j'ai des problèmes de sommeil, je n'arrive pas à dormir. Vraiment, j'ai beaucoup de problèmes de sommeil. Et voilà, je me suis dit, bon. Quitte à prendre, et je ne suis pas quelqu'un qui prend beaucoup les médicaments, je suis pas quelqu'un qui. Moi, je suis plus dans la médecine traditionnelle, la médecine douce, là, vous voyez un peu. Donc, voilà, je vais essayer d'arranger mes cheveux, de me préparer et de sortir avec vous, quoi. Every day we escape, losing all of our faith. We can't live this way. Feel me slowly fade away. Donc les amis, voilà à peu près ce que j'ai pris au marché des fruits. Je crois que le tout m'a coûté 40 euros. Donc je vous fais rapidement un retour de course. Et je vous ai dit tout à l'heure que je vais faire une cure détox d'environ 8 jours. Et pendant les 8 jours-là, je vais beaucoup consommer des jus de fruits et des légumes. Voilà, j'ai pris
Là, ce sont des pamplemousses. Ici, c'est des pommes vertes. J'ai pris là une tête de chou, deux bouquets de céleri. J'ai pris du fenouil. Le fenouil, en fait, c'est très, 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 très bien pour notre système digestif. Ici, j'ai pris des clémentines et des mandarines. Je sais pas, dites-moi en commentaire si vous savez la différence entre les deux. Ne jamais sur la différence. Mais de toutes les façons, j'ai pris ces mélangés. Là, ce sont des carottes. Ici, ce sont des oranges. Là, c'est de la betterave. Et là-bas, j'ai pris trois têtes d'ananas, du gingembre et là, du persil. Comme je vous ai dit, une cure détox se fait généralement une à deux fois l'année. Si vous n'avez rien fait, il faut au moins faire deux fois l'année la cure détox. Mais moi, généralement, à l'époque, quand je faisais encore des cures détox, c'était à chaque fin de saison, donc à la fin d'hiver, d'été ou bien de printemps ou de tombe, je faisais toujours une cure de détox parce que ça permet en fait de relancer le système immunitaire. Ça permet de retirer, de sortir les toxines, les déchets qui se trouvent dans votre sang, dans vos organes. Et voilà, tu gagnes en énergie, tes organes gagnent en vitalité et tout. Donc, actuellement, si je vais me faire du jus, mais je ne sais pas encore quel mélange je vais faire. Mais bon, voilà. De toute façon, je n'ai même pas encore mangé depuis le matin, donc je suis encore jeune. Je vais faire du jus de céleri. Je vais commencer mon jus maintenant. Donc, pour la préparation, j'ai pris du gingembre, du céleri et du persil et de la pomme verte. Bon, voilà la quantité de jus que j'ai obtenu, environ 10 000 litres, et voici les déchets. Donc, je vais essayer de boire ça. C'est bien de prendre le céleri à jeûne parce que déjà même le céleri est très bien pour le système digestif et le système nerveux. Et c'est bien de le prendre à jeûne parce que ça facilite l'assimilation rapide des minéraux et des vitamines, vous voyez pour nous. Donc, voilà. C'est très bon. Wow, c'est très bon. Il y avait une personne sur Instagram qui disait que la détox ne servait à rien. Cette personne, elle a tort, tout comme elle a raison. Pourquoi tu dis ça? Ça ne sert à rien quand après la cure, tu n'essayes pas de prendre de bonnes habitudes alimentaires. Tu continues toujours à te nourrir très mal. Mais il faut savoir que la détox dépend de comment on la pratique. Une personne qui fait par exemple une détox déséquilibrée va avoir une perte d'eau et une perte en fonte musculaire, mais elle ne va pas perdre de gras en fait. C'est pour ça qu'il est toujours recommandé qu'après la détox, il faut essayer de manger sainement. C'est vrai, tu peux recommencer à manger comme tu le faisais avant, mais directement après, il faut essayer d'introduire petit à petit les aliments qui te plaisent et tout. Mais de là à recommencer à manger mal, là, je suis d'accord avec la personne qui le dit. C'est bien de faire les choses étape par étape et de manger de façon équilibrée. C'est très important. Donc, voilà. Je suis tellement bon. Tellement bon. Mon Dieu. Bon, les amis, je viens de recevoir la poste. Voilà, j'ai reçu ce carton. Je pense savoir ce qui s'y trouve. C'est mon livre de formation parce que, voilà, la semaine dernière, j'ai commencé une formation
pour être experte et consultante en santé holistique. Et du coup, ils m'ont envoyé le livre aujourd'hui. Voilà. Attendez, je vous montre. Donc, voici le livre qu'ils m'ont envoyé aujourd'hui. Il faut savoir que le contenu de la formation, c'est 6 modules. Donc, ils m'ont envoyé le livre du premier module. Et chaque module, en fait, dure 2 mois. Et je me dis que je croyais qu'ils allaient envoyer la totalité des modules, mais non, je pense qu'ils vont envoyer chaque module. Chaque livre à la fin de chaque 2 mois, en fait. Voilà, on va dire ça comme ça. Et là aussi, c'est un carnet qu'ils ont mis à l'intérieur. Le carnet, en fait, c'est pour expliquer comment la formation va se passer, le déroulement de la formation et tout. Bon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une thérapie holistique, c'est une médecine qui traite le patient, l'être humain, dans sa globalité, c'est-à-dire aussi bien le corps que l'esprit, et non pas seulement les symptômes. Parce que généralement, quand on part à l'hôpital, les médecins s'attachent beaucoup plus aux symptômes de maladie. Je prends un exemple. Quand tu viens, par exemple, pour un mal de tête, ils vont te dire, voilà, tu peux prendre de l'aspirine ou bien de l'effaralgan ou bien de l'ibuprofène ou bien du paracétamol. Tu dois choisir l'un des médicaments et tu dois le prendre. Sauf que en santé holistique, on prend compte des autres aspects de l'être humain. C'est-à-dire, on regarde d'où vient ton mal, pourquoi est-ce que tu as ce mal-là, et on traite l'être humain sur plusieurs plans, c'est-à-dire le physique, l'émotionnel, le mental, le social, ou bien socio-culturel, si vous le voulez, l'esprit et l'environnement. Donc, on tient compte de tous ces 6 aspects-là dans la médecine holistique. Et c'est donc pour cette raison-là que j'ai décidé de faire cette formation. Et il faut savoir que la formation, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est 1 an et demi. 1 an de théorie et demi-année de pratique. Et la pratique se fait sous forme de séminaire. Du coup, on vous apprend comment est-ce que vous allez communiquer avec le patient qui sera en face de vous. On va vous apprendre à faire un plan de... C'est un peu comme je vais dire ça comment. Comme, c'est en quelque sorte être nutritionniste ou diététicienne, mais sauf que là, on prend l'être humain dans toute sa globalité, comme je l'ai expliqué. Donc, de toute façon, au fur et à mesure que la formation va avancer, si ça vous intéresse, ou bien si ça intéresse certaines personnes, je vais essayer de vous donner les explications au fur et à mesure. Parce que là, je viens de recevoir le livre, donc je suppose que j'ai reçu le livre en janvier, 2 mois après, ça sera en mars, pour le deuxième module. Et voilà quoi, mais c'est un peu, les premiers modules sont un peu chiants, surtout le module 1, parce que ce sont les choses que j'apprends depuis la terminale, en fait, parce qu'il faut savoir que je suis infirmière, et là encore, on voit encore l'anatomie, la physiologie, module 1, mais bon, c'est le choix que j'ai fait en ce début d'année, voilà. Bon, je pense que je vais arrêter la vidéo ici, sinon elle sera trop longue. De toute façon, je ne sais même pas le nombre de minutes que j'ai tourné depuis là. Et voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment était votre année 2022. Comment est-ce que vous avez entamé la nouvelle année 2023. Et n'hésitez pas aussi de me donner... de me dire en commentaire les intentions que vous avez posées pour cette début d'année. Et voilà, je vais arrêter le vlog ici. J'espère que vous aura plu. Si vous voulez plus de vlogs sur ma chaîne, n'hésitez pas de mettre des pouces bleus en l'air, de liker, de commenter. Et on se voit prochainement dans un nouveau vlog. Tchuss!